Avec ou sans montage, avec ou sans préparation, avec ou sans vérification, pose pas de questions, t'auras pas de niaiserie. Voici la capsule numéro 2. J'avais déjà dit que je faisais ça une fois par semaine, mais finalement, j'ai choqué, fait que ça fait 2 semaines que je l'ai pas fait. Cette semaine, plutôt des questions personnelles. Louis-Ludovic Vermette qui a écrit: Est-ce que tu aimes l'école Henri Bourassa? Je l'aime d'amour. Ah, c'était bon l'école secondaire, je me suis bien amusé. C'était bien. Rachel Gamache a écrit: Bonjour Frédéric, je viens d'apprendre que nous étions parents et que nous avions un cousin en commun, un riche émir arabe qui est mort dernièrement. Nous sommes ses seuls parents survivants et il nous a légué toute son immense fortune. Afin de procéder au dépôt de ta part d'héritage, peux-tu me dire quel est le nom de famille de ta mère et me transmettre ton NIP? Ben, le nom de famille de ma mère, c'est... Et mon NIP, c'est le... Faudrait pas que je dise ça. Maryse Pagé a écrit: Vas-tu écrire un autre livre? Maryse Pagé, l'auteur de... Maryse Pagé, l'auteur de... Ce livre n'est pas un journal intime, tome 1 et 2, et le troisième s'en vient bientôt. Donc, oui, je compte bien sortir le manuscrit 2. Oui, il est en vente en passant. Les malins, allez voir ça. Une petite question pour la route. Geneviève Perrier-Proux qui m'a écrit: Quelle est la situation la plus honteuse que tu aies vécue? Geneviève, j'en ai vécu plusieurs, mais je crois sincèrement que ce qui suit est l'une de mes situations les plus honteuses à la télévision en direct. Oui, des nouilles thaï avec mon chum. Oui, oh, combien? 26. 26 secondes! C'est un très bon score! Ah non, mais c'est combien d'autres? Ça va être une. Je pense que c'est les nouilles thaï, les nouilles. Les nouilles thaï. Alors, on a une question, maintenant que tu es réchauffé, oui. Là, de Jade. Je pense que c'est les nouilles thaï, les nouilles. C'est les nouilles thaï. Ben, c'était pose pas de questions, t'auras pas de niaiserie, capsule 2. Oui, j'ai dit ça pour vrai. Cliquez j'aime sur ma page, partagez. Je vais essayer de continuer de faire ça. Posez des questions, je vais peut-être répondre à des niaiseries.